Bonjour tout le monde, c'était Outico Gamers et aujourd'hui on se retrouve pour Minecraft Mode épisode 68 You Are the Zombie Mode. Alors je suis vraiment désolé, je vous fais quand même des vidéos, mais mon ordi lag énormément, je me suis fait infecter par des virus. Donc forcément je sais pas ce qui se passe sur mon PC, mais tant que j'aurai encore des virus comme ceci, je pourrai pas faire des vidéos correctement. Donc ce sera dans un flas de grâce et malheureusement vous devrez supporter le lag. Même si je pense à vous, je fais quand même des vidéos. Donc le mode d'aujourd'hui, puisqu'il faut bien présenter un mode, c'est You Are the Zombie, qui est un mode tout simplement qui vous transformera en zombie. Il vous donnera les mêmes caractéristiques. 5 secondes pour remettre la nuit. Voilà. Donc vous voyez là, j'ai deux mains, comme si je mettais mes deux mains en avant, tel un zombie. Et quand on peut voir à la troisième personne ou à la cinquième, c'est assez buggé. Donc le mode, c'est encore un work in progress, donc un mode en développement en français. Donc c'est assez buggé, mais ça ne nuit pas au jeu. Bon, c'est quand même un peu fun. Donc vous voyez, à la première personne, si j'arrive à mettre la première personne, c'est pas trop buggé, ça va. Donc en ce qui concerne les mobs, puisque c'est quand même important, vous êtes un zombie, donc techniquement, hein, il se passe des trucs. Donc vous ne serez plus attaqué par les mobs offensifs ou agressifs, comme quelqu'un me l'a fait remarquer. Donc là, vous voyez, les zombies sont mes amis, même si je les tape, normalement, voilà, rien à faire. Le zombie n'en a rien à faire, et c'est à peu près correct. Donc que ce soit avec les zombies ou les squelettons, ou même les slimes, il me semble, ou même les araignées iront vers vous, mais ne vous toucheront pas. Vous ne serez pas frappé par ces mobs-là. Le creeper, par contre, restera inoffensif, mais si vous le tapez, il essaiera de vous poursuivre et d'exploser. Donc là, petit danger comparé au creeper, il arrêtera normalement d'être agressif, voilà, au bout de quelques secondes, tout comme les squelettes. Les squelettes qui vous poursuivront aussi, mais qui généralement seront inagressifs ou inoffensifs au bout de quelques secondes. En ce qui concerne les villageois également, les villageois se feront bien sûr, vous courserez les villageois. Simplement, les villageois essaieront de vous fuir parce que vous êtes un zombie, les villageois n'aiment pas les zombies, on va en faire spawner plein. Ah, c'est tellement kiffant, tout le monde me fuit. Pff, les pauvres villageois quand même. Ah, des petits villageois, vous avez peur aussi? Cool. Enfin bon, revenons-en au mode. Donc oui, le mode ajoute aussi une autre caractéristique, c'est que bien sûr, vous brûlerez à la lumière du jour, comme tous vos confrères. Ce qui est assez embêtant. Mais bon, ça fait partie du zombie. Donc quand vous dormirez, cela mettra la nuit. Un peu comme le mode You Are Herobrine que j'ai pas présenté. Il faudra que je présente un jour s'il sort en 1.4.5. Donc voilà, on a vu à peu près toutes les caractéristiques du mode. D'ailleurs, je vais voir si... Je sais pas si j'en ai parlé des Enderman. Ouais, non, donc ils ont pas l'air d'être offensifs non plus. Ah si, ils sont offensifs. Ben, ils sont offensifs. Donc, ceci va conclure la présentation de ce mode. Je suis désolé si mon Minecraft lag énormément, mais j'y peux un peu rien. Le temps que mon ordi se remette en route correctement, eh ben, on va faire des vidéos comme ça. Donc voilà, on va se quitter sur... Bah sur ce, on va se quitter. C'était Théo des Quest Gamers. Bye tout le monde.